Bon, donc je poursuis ma conversation avec, avec Claire Henrion sur deux points. Est-ce que les aspects sont une réalité astronomique et est-ce que le thème natal est une réalité astronomique? Et là, vous allez me répondre évidemment, puisque forcément, on calcule ces aspects et ce thème à partir d'informations astronomiques. Mais est-ce que les informations astronomiques sont pertinentes au regard de l'astronomie? Tout à fait. Bon, pour ce qui est des aspects binaires, conjonction, c'est un point de repère, c'est-à-dire conjonction, opposition et quadrature, oui. Ils sont des repères. Voilà, donc on va reprendre le débat sur l'ambiguïté de certaines façons d'instrumentaliser l'astronomie en mettant sur le compte de l'astronomie ce qui est malgré tout, avant tout, un problème astrologique. Alors, sur les aspects, là, je crois que tu as déjà développé un certain dossier, c'est-à-dire que tu as dit qu'effectivement, il y avait certains écarts angulaires qui faisaient sens dans le cadre de la pensée astronomique. C'est des points d'équilibre, c'est pas qu'une pensée, c'est une réalité physique. Hein. C'est des points d'équilibre. Et alors, paradoxalement, c'est plutôt les aspects de 60 et 120 degrés qui seraient. C'est-à-dire, Gilles Leroy dit la même chose, qui parlait de 120 degrés concernant la luminosité en aéronautique de Vénus, je ne sais pas très bien. Enfin, en tout cas, curieusement, ce sont ces aspects-là qui seraient viables en astronomie. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils sont viables en astrologie. Enfin, en tout cas, ils ont une viabilité, ils ont une viabilité en astronomie. Mais alors, les aspects de 45 et de 80 degrés, et de conjonction et d'opposition, quelle est leur signification, quelle est leur portée en astronomie? Ah ben, à l'opposition, un astre est en pleine visibilité. Hein, quand Mars passe à l'opposition, Saturne va y être. Là, on l'a du coucher du Soleil au lever du Soleil. Donc toute la nuit, il culmine à minuit. Il est à l'opposé du Soleil. Donc c'est très parlant. Je veux dire, l'opposition, c'est le moment qui met le plus en valeur les deux. C'est à l'opposition, oui. Que les deux partenaires sont le plus en valeur, l'un après l'autre. Par rapport aux nouvelles lunes, pour le Soleil, la nuit, la planète. C'est s'il s'agit d'une planète. Ouais. D'accord. La Lune, si c'est la pleine Lune, par exemple. Et alors, en ce qui concerne la quadrature, où est-ce qu'on est la situation Eh bien, la quadrature, c'est entre les deux, ça revient à cette position, de charnière. D'accord. Bon. C'est le moment intermédiaire entre la conjonction et l'opposition. Oui. De toute façon, on pourrait dire aussi qu'il y a la demi-lune croissante. Au niveau du référentiel solilunaire, il n'y a pas de discussion. Maintenant, au niveau des autres planètes, c'est moins évident. Ah ben, si, c'est moins évident parce que les planètes sont moins évidentes dans le ciel que la Lune, mais sinon, c'est la même chose. D'accord. Bon. Alors, passons à l'autre volet, qui est le thème natal. Alors, le thème natal, bon, évidemment, on peut le dresser. On peut le dresser à partir de données astronomiques, certes. Mais bon, pour l'astronomie, qu'est-ce que ça veut dire que de faire la carte du ciel d'un certain moment avec toutes les planètes qui sont dans le système solaire, ça n'est pas pertinent au niveau de la science astronomique. Ça peut être pertinent pour la pratique astronomique de faire une coupe à un moment donné, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Ça, de toute façon, ça n'a pas du même ordre de réalité que la présence d'une planète, que l'existence d'une planète, évidemment. Ben oui, mais elles sont toujours quelque part les unes par rapport aux autres. Donc, c'est une carte. Chaque instant est unique. Oui. Et donc, ça c'est déjà un point de vue... La carte du ciel, oui. Elle nous donne le dessin de ce moment-là. Le dessin. Oui. Le dessin, IN, EIN. Oui. EIN, oui. Oui, mais il y a qui se rapproche dans le dessin EIN, oui, oui. Et dans le dessin, oui, IN. Bien sûr, certes. Bon. D'où l'intérêt parce que le dessin justement d'une origine, hein, que ce soit une naissance ou n'importe quelle origine qu'on considère, est bien dans son thème natal, souvent dans sa carte du ciel natal. Bon. C'est ce que les astrologues généralement s'entraîne à lire depuis. Enfin, est-ce qu'on peut dire inversement que malgré. Alors là, on vient de parler de deux problèmes différents. D'un côté, une coupe spatiale, de l'autre côté. Spatio-temporelle. De l'autre côté, un processus cyclique.
Bah oui, mais on est en astronomie. Donc il y a une astronomie de position et une astronomie cyclique, si on peut dire. Alors, l'astronomie. La position, ça détermine un moment dans le cycle. Oui. Hein, voilà. Mais un moment, pas dans le cycle, dans les cycles. Non, oui, un moment. C'est ça la différence. C'est que dans les cas d'étude du cycle, on étudie un certain cycle qui est structuré pendant ses phases. Mm-hmm. Et là, on a plutôt chaque planète prise à un moment donné dans un rapport avec d'autres cycles. Et oui, c'est toute la complexité de l'astrologie. Et on établit des relations entre ces différents cycles, ou plus exactement entre différents points qui eux-mêmes ne sont pas perçus dans leur cyclicité véritablement, parce qu'ils sont surtout perçus dans leur interrelation. Ça dépend comment on lit la carte du ciel, effectivement. Mais enfin, à mon sens, si on la lit bien, on va interpréter justement cette évolution cyclique. C'est-à-dire, par exemple, si on a une conjonction d'une planète rapide avec une planète lente, on va voir si l'opposition est impliquante ou séparante par rapport justement au cycle. Oui. C'est quelque chose d'intéressant dans la dynamique à constater si l'aspect va se faire ou si. Et par exemple, beaucoup d'astrologues, par exemple, pour prendre le cas des carrés, ne prennent pas spécialement la peine de dire si c'est un carré impliquant ou séparant. Hein. Ils disent c'est un carré. Ben, peut-être, moi, c'est quelque chose auquel je fais toujours attention. D'accord. Alors faisons une petite parenthèse pour parler de ton fameuse hebdomadaire. Nous avons la chance, nous, de le recevoir, mais ça sert à quoi? Ça sert à qui? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, ça sert aussi bien. Alors, mon objectif, c'est d'être utile aussi bien aux astronomes qu'aux astrologues. C'est-à-dire que je vais donner toutes les choses intéressantes à observer d'un point de vue astronomique pendant la semaine. Et qui sont aussi des choses qui peuvent être intéressées les astrologues. Et d'autre part, en même temps, je donne des notions qui sont étrangères auxquelles les astronomes ne s'intéressent pas, comme les ingresses de la Lune et des planètes en signe. Je donne les référentiels héliocentriques et géocentriques que je distingue par des couleurs, hein, parce que je donne une chronologie, plus les levées du Soleil et de la Lune, mais forcément pour un endroit donné. La visibilité des planètes, les comètes relativement facilement observables, c'est-à-dire les astéroïdes, les choses qui peuvent être intéressantes à observer du point de vue des astéroïdes, soit les astéroïdes à l'opposition, justement, soit ceux qui sont particulièrement remarquables parce qu'ils sont à côté de telle planète ou telle étoile ou tel amas qui peut être intéressant à observer aux jumelles. Voilà, je donne donner un peu le goût de l'observation astronomique aux astrologues et le sens de l'astrologie aux astronomes. Voilà. Comment est-ce que tu prépares ces documents? Alors, ça te demande beaucoup de travail? Ah, ça me demande. D'abord, je fais le thème de la phase lunaire, donc ça me demande un peu de travail. Et ensuite, je fais l'éphéméride proprement dit. Le thème, c'est une bonne journée de boulot par semaine. Oui, et le thème, ça veut dire toutes les positions planétaires au moment où se fait la. Voilà, au moment de la phase lunaire. Quelle que soit la phase. Tantôt c'est la conjonction, tantôt c'est. Voilà, à chaque phase, je fais par semaine. Ça, c'est le travail que faisaient les faiseurs d'almanach au XVIe siècle. Voilà, je fais mon almanach. C'est ce que faisait Nostradamus d'ailleurs. Nostradamus faisait ça. Dans ses Nostradamus, il publiait dans ses almanachs semaine par semaine. Ah ouais, ça je le savais. Oui, mais toi tu connais encore bien mieux que moi. Ben oui, je pourrais même t'envoyer des almanachs Nostradamus. Tu verras qu'il étudie très, très consciencieusement ce qui se passe pendant la semaine. Le thème, je crois que c'est le thème, effectivement, le thème de la conjonction, puis le thème d'un carré, le thème du pont. Et puis il fait ça pour tous les mois de l'année. Ouais, moi je le fais à la semaine. Hein. Enfin, je le boucle 4 jours avant. Ouais, généralement, j'ai pas encore pu prendre assez de recul. Alors je me sers pour l'établir d'abord des données de l'IMCCE, l'Institut de Mécanique Céleste, c'est la référence astronomique. J'utilise l'éphéméride qu'emploient les astrologues aussi pour repérer rapidement les aspects. Les passages. Voilà, les aspects, les ingresses, ça m'a permis. Après, je les vérifie souvent avec les données de l'IMCCE, mais ça n'est pas trop éloigné, ils sont assez justes, nos éphémérides d'astrologues. Je me sers aussi du guide du ciel de Guillaume Canat pour tout ce qui est l'observation et de un très bon site aussi qui s'appelle PGJ Astronomie, qui fait aussi un éphéméride de tout ce qu'il y a à observer dans le mois, lui. Donc, je reprends
Et alors je reprends toutes ces données, je les compare, enfin je les confronte, parce que des fois je reviens toujours à l'IMCCE quand il y a des contradictions. Voilà. Bon. Je fais un petit résumé en bas parce que j'essaie de m'adresser aussi bien à des néophytes complets. Oui. Donc qui vont ce que ça va pas intéresser tout le détail que je donne, mais au moins qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe pendant le premier quartier de lune, à quel moment c'est qu'on voit la lune, tiens, va être tel jour, elle est alors premier quartier de lune, on voit la lune le soir, on part du de deux jours, on voit le premier croissant, puis chaque jour on la voit un petit peu plus, le soir un peu plus haut, puis elle reste un peu plus longtemps dans la nuit. Enfin, c'est des choses simples mais qu'il faut réapprendre parce que on a trop de lumière électrique, ils ne se rendent même plus compte. Les gens, ils savent plus la lune le soir, bah, c'est que c'est dans le premier quartier. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as un feedback des gens? Qu'est-ce qu'ils se servent de tes trucs? Comment, à quoi ça, qu'est-ce qu'ils en font? Tu sais à peu près ce que les gens en font? J'ai quelques retours, ouais. Il y a des astrologues qui l'apprécient. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils font des prévisions pour la semaine? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, on peut s'en servir pour faire des prévisions pour la semaine. Moi, je suis des phénomènes météo. Peut-être des gens qui font des horoscopes dans les journaux qui s'en servent? Oh, il faut non, parce que je suis trop en retard, je suis passé en avance pour oui, d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Je pense pas. Non. C'est rigolo de faire l'horoscope. Oui, c'est vraiment le travail de l'astronomie. C'est le travail des almanachs. Le seul chose. Les centuries de Nostradamus ne sont peut-être pas de lui, mais par contre. Bon, encore qu'on ne soit pas certain que. Bon, tu sais qu'il faisait un quatrain pour chaque mois. Pas le même quatrain que les centuries. Bon. Voilà. Bon, donc on va revenir à nos discussions. Un quatrain pour chaque mois. Oui, dans ses almanachs, chaque mois, il faisait un petit quatrain qui était. Alors, attention, tiens-toi bien, qui était une mise en vers de son texte en prose. Ouais. Donc, il faisait un petit topo pour chaque quartier, pour chaque mois. Mm-hmm. Et puis après, il prenait des mots de son texte, il les mettait bout à bout, et ça faisait un quatrain. C'est du grand art. Parce que finalement, pour moi, le langage astrologique ne se résout que par la poésie. Quand, mais par oui, exemple, c'est vrai justement, que tu nous avais lu l'autre jour à la mer, ouais, il y a des textes. Par exemple, si on veut, des fois, il y a des parents qui demandent le thème natal de leur enfant, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on est en droit de leur dire si ce n'est de la poésie qui ouvre à toutes les à tous les possibles? Parce que sinon, dès qu'on va dire « Ah, votre enfant, il sera comme ci, il sera comme ça, il fera ci, il fera ça », on le ferme. Alors là, c'est mauvais, ça. C'est malsain, je trouve. Le seul langage autorisé, est presque, c'est de la poésie, parce que ça fait vibrer des harmoniques et ça laisse tous les possibles, parce que nous-mêmes, même si on y fait attention, on va projeter quand même nos vues inconscientes et nos façons, voilà, et on a nous aussi nos limitations. On ne sait pas, quelqu'un qui vient dans l'avenir, comment il va pouvoir développer des choses dans des champs qu'on ne connaît pas encore. C'est le problème de l'interprétation, je pense, d'ailleurs, des quatrains de Nostradamus. C'est que lui, il avait un champ quand même de langage et d'expérience qui fait que même s'il voulait parler de choses qui résultaient de son étude et de son analyse, les offrir pour l'avenir, je veux dire, il pouvait l'exprimer que dans les termes de son époque. Donc, à mon avis, il n'y a effectivement que la poésie qui peut. Mais attention, je me suis fait comprendre, les quatrains des almanachs Nostradamus ne sont pas les quatrains des centuries. Des centuries. Compris, si, j'ai compris. Et ils sont beaucoup moins connus, ils s'appellent des présages, ouais. Une catégorie spéciale de quatrains. Et c'est probablement les seuls quatrains qui soient parus vraiment du vivant de Nostradamus. Alors que les autres quatrains, c'est un petit peu parce qu'il était connu pour des quatrains qu'on en a fait d'autres sous son nom. Ouais, c'est possible. Enfin bon, on va pas. C'est pas ton domaine de compétence. Non, mais donc, ça m'intéresse bien dans ce moment. Mais le fait qu'effectivement un faiseur d'almanach fasse des quatrains en fasse faire en utilisant les mots de son travail en prose, c'est assez intéressant pour Claire Henriot. Voilà. Alors on va continuer notre entretien. On arrive dans combien de temps à cette. À Vivier, dans une demi-heure. Ah, encore une demi-heure, d'accord. Ah, ou alors. Alors, donc on avait dit que
Bon, le problème, par exemple, du solstice, je crois que chez les conditionnalistes, ils ont un discours sur le solstice. Alors, le solstice d'hiver, c'est le vrai commencement de quelque chose, c'est oui, ça? Oui, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Et en fin de compte, l'équinoxe n'est qu'une étape. Le changement d'équilibre. C'est-à-dire que c'est le commencement. Voilà, alors, cette notion que tu disais, il y a deux phases, il y a deux saisons. On l'a dans le terme conditionnaliste, le restitue bien. Ah, parce que justement, on a hiver-printemps, c'est-à-dire c'est la phase, il y a la force d'excitation. Enfin, disons, c'est la phase où le nord reprend le dessus. Voilà, du solstice de décembre au solstice de juin, le nord gagne sur le sud. Mais jusqu'à l'équinoxe de mars, il y a quand même moins de nord que de sud d'éclairé par le soleil. Hein? Oui. Voilà. Et donc l'équinoxe de mars, c'est le moment où ça bascule et où le nord prend le dessus. Mais il est en train d'augmenter depuis le solstice de décembre. Et la même chose, la phase été-automne, c'est le sud qui gagne de plus en plus et ça bascule à l'équinoxe d'automne. Oui, parce qu'en fin de compte, à partir de l'équinoxe d'automne jusqu'à l'équinoxe de printemps, on est dans la même situation, c'est-à-dire que dans l'ensemble de la période, la nuit est plus longue que le jour. Oui, de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, enfin pour l'hémisphère nord. Oui. On devrait dire de l'équinoxe de septembre à l'équinoxe de mars. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que pendant les six mois en question, c'est soit la nuit est égale au jour au tout début et à la fin, soit de toute façon elle est supérieure. Même si au solstice, elle redevient moindre. Mais elle reste toujours supérieure. Voilà. Et inversement, de l'équinoxe pour l'hémisphère nord, donc des printemps jusqu'à l'équinoxe d'automne, c'est le jour qui va rester supérieur pendant 6 mois, en quelque sorte. Ah, bah, dans l'hémisphère nord, oui. Voilà. Sinon, on va parler que d'ensoleillement du nord et ensoleillement du sud. Oui, d'accord. Ce qui fait que, comme ça, tout le monde est. Ça convient à tout le monde. Oui. Et effectivement, ça se traduit dans l'hémisphère nord par un jour plus long et une nuit plus courte, et inversement dans l'hémisphère sud. Oui. De toute façon, ça se répond. Donc, on a bien, effectivement, deux grandes phases. Avec, évidemment, ces moments particuliers qui ressemblent un peu à la rétrogradation, d'ailleurs. Puisque la rétrogradation, avant que ça rétrograde, la planète fait du surplace, en quelque sorte. Et avant que ça redevienne direct, elle refait du surface. Il y a un ralentissement. Donc, la période qui se produit au moment de la rétrogradation ou au moment du direct, est un peu une période un peu particulière où elle est stable en quelque sorte, elle est statique. En apparence. L'apparence, c'est important là-bas. C'est l'apparence importante. Ah, bah oui, ça compte vachement parce que c'est notre point de vue, les pieds. Donc là aussi, on a un équivalent intéressant. C'est on a la rétrogradation pleine année entière, on a le direct pleine année entière, et puis entre les deux, on a des phases intermédiaires. Ouais. Donc chaque fois, on retrouve le fameux quaternaire. Deux grandes phases, plus une période, deux périodes intermédiaires pour aller dans un sens puis dans l'autre. Et dans le domaine scientifique, je crois qu'on a le même problème si on laisse de côté l'astrologie. Et même si on laisse de côté l'astronomie, il y a constamment des moments clés, des moments de passage, d'interaction qui sont dans presque tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est la quadripartition universelle au moins pour la Terre. Toi qui as une culture scientifique, tu peux donner d'autres exemples de quadripartition Il y en a tellement que. Dans le domaine de la physique, par exemple. Moi, je reviendrai, ce qui vient dans l'esprit, c'est justement le processus de contact d'un individu avec son environnement. Ah bah oui. On l'a carrément. Ça se résout en quatre phases aussi. Hein. Avant le contact, devant, avant le sujet en lui-même, de quoi il a besoin. L'appréhension. Voilà. Tout va se définir en fonction des besoins du sujet. Donc en fait, justement, cette force centripète. Qu'est-ce qui lui manque? Donc en fonction de ce qui lui manque, il va définir dans son environnement ce qu'il lui faut. Voilà, il va remarquer dans son environnement ce dont il a besoin, qui répond à ses besoins. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous le même regard sur l'extérieur, parce qu'on voit l'extérieur en fonction de nos besoins aussi. Ensuite, il va y avoir la phase d'échange, le pendant. Hein, il y a un échange entre le sujet et son monde extérieur, donc l'objet. Et ensuite, la phase d'échange s'arrête et c'est l'intégration, c'est-à-dire toujours du point de vue du sujet, on va voir ce qu'il intègre, ce qu'il retient de
de cette relation, ce qu'il éjecte et ce qu'il retient, et comment il le transforme et qu'il l'intègre en lui-même, et qu'il en finit même jusqu'à l'oublier, et que ça s'intègre seulement dans sa mémoire, et que ça va se retraduire par son intuition. On retrouve les quatre phases de Jung aussi: sensation, sentiment, pensée, intuition. Oui, effectivement, moi, pour parler de... On le retrouve partout. Pour reprendre cette histoire de centripète, centrifuge, qu'on disait tout à l'heure dans la première partie d'entretien, quand on était au café qui s'appelait, je ne sais plus comment, on passe d'une phase centripète d'intériorisation à une phase centrifuge d'intériorisation. Non, c'est centripète d'intériorisation et centrifuge. Non. Vers l'extérieur. Oui, enfin, moi je le dirais au contraire. Centrifuge, c'est quand chacun se replie sur lui-même. Ah non, centrifuge, c'est vers l'extérieur. C'est la force, c'est l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Oui, d'accord, bon, mais moi je le transforme. Ça m'est égal, mais moi je me permets de dire ça à l'inverse. Je dis que centripète, c'est quand je vais vers l'extérieur et que je suis obligé de me concilier et de communiquer avec l'extérieur, donc de trouver une langue commune. Mm-hmm. Et centrifuge, c'est quand chacun individu se retrouve face à lui-même et donc n'est pas obligé d'utiliser le langage de l'autre. Voilà. Mais c'est pas importe, mais je veux dire que l'image peut être également inversée de manière intéressante. Ouais, quoi que c'est déjà assez difficile de se rappeler ce que c'est que centripète. Et oui, ça ramène au centre et centrifuge, ça va à l'extérieur. Pour moi, lorsque le phénomène d'individuation, c'est quand même fondamentalement, pour moi, par rapport à la société, un phénomène centrifuge. Et on peut le voir des deux points de vue, justement. Oui. Voilà, parce que est-ce qu'on le voit du point de vue du sujet, donc de soi, voilà, ou est-ce qu'on le voit du point de vue de l'objet, de l'autre? Chacun le voit comme il l'entend. Moi, donc les deux, il faut envisager les oui, deux. Oui, c'est ça. Voilà. Et je me permets de mettre que l'autre aussi est envisageable. D'accord, ça marche. D'accord. Donc, ce moment d'indétermination qui se produit à deux moments du cycle, en fait, puisque c'est deux moments qui sont relativement brefs. Mm-hmm. Ils n'ont pas une saison, c'est pas un quart du cycle, c'est pas la moitié du cycle. On voit ce que donnent les saisons de printemps et automne, sous la plupart des climats, ils sont souvent brefs, en fait. Voilà. Il y a que dans nos zones tempérées qu'on peut considérer qu'on a vraiment. Diviser le cycle en quatre phases, bien définies les unes par rapport aux autres, ce n'est pas acceptable. Il y a deux grandes phases puissamment définies, dans le temps, puis deux phases qui sont particulières. Déjà, il y a une erreur au niveau de la description de que font beaucoup d'astrologues, c'est erroné de toute façon. Sûr. Oui, bon, c'est assez erroné. Alors justement, un reproche que je fais à Jean-Pierre Nicolas, c'est concernant par exemple le bélier. Alors, j'ai vérifié ce qu'il disait sur le bélier. Il dit des choses sur le bélier qui recoupent à peu près ce que disent les astrologues sur le bélier. Or, je crois que notre discussion depuis le départ de cet entretien nous montre bien que si le bélier correspond à l'équinoxe, on ne peut pas avoir. Si on devait mettre un symbole animal pour définir l'équinoxe de printemps, on ne prendrait certainement pas le bélier. C'est la tête. Le bélier travaille la tête. Non, mais je veux dire que cette idée de transition, on ne sait pas très bien où on met les pieds, on ne sait pas très bien où on va. Ah non, c'est vrai, le bélier il démarre avant son. Comment il démarre avant de penser, je dirais. Oui, mais ça correspond pas du tout. Ça correspond pas du tout à ce que je comprends de l'équinoxe de printemps et de l'équinoxe en général. Mais dans la sensation pure. Non mais, je vois pas le rapport. Ah. C'est là qu'il y a, à mon avis, une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes qui ont chacun, soi-disant, leur légitimité, et qu'on essaye plus ou moins laborieusement de concilier entre eux. Et moi, je considère que l'histoire du zodiaque, elle est très mouvementée, elle est très complexe, l'histoire du symbole zodiacal, et là, en l'occurrence, ça colle pas du tout. Parce que finalement, l'équinoxe est beaucoup mieux représenté, aussi bien au printemps qu'à l'automne, par la balance. Cette espèce de phénomène de balancement d'équilibre, c'est tout à fait caractéristique des deux processus. Oui, tout à fait. Bon. Et donc, la période actuelle, parce que actuellement, pour être très concret, moi je considère que, parce que moi je travaille sur, je fais un petit grain de sel, mais enfin, pour moi actuellement, dans mon système en tout cas, on est dans une phase équinoxiale par rapport au cycle de Saturne. Parce qu'il passe à zéro balance, mais aussi parce que pour d'autres raisons, mais enfin, en ne rentrant pas dans le détail, je constate des situations qui sont des situations d'hésitation, où on ne sait pas très bien, on a l'impression qu'il faut changer les règles du jeu, on ne sait pas très bien quand, ni à l'avantage de qui, etc.
Et donc, ce n'est pas réellement ce que j'appellerais les périodes où on est en pleine possession de ces moyens. Hein. Ça, c'est clair. Ah, au niveau de mondain, enfin du monde, oui. Effectivement, on peut dire en ce moment. Et même la saison, même la, le temps lui-même, même le temps lui-même, mais même la nature elle-même n'est pas encore retranchée, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, avec ça, bon, c'est pas Saturne qui va trop nous en parler, ça. Non, mais je veux dire que c'est. Bon, moi, je trouve que. Sauf que moi, je travaille que sur Saturne, donc je ne suis pas en train d'attribuer à Saturne telle ou telle vertu. Pour moi, c'est le cycle par excellence. Alors, ce qui nous pose évidemment un débat qu'on a esquissé tout à l'heure, de savoir quels sont les cycles qu'on doit mettre en. Qu'on doit privilégier, vu que si on ne privilégie pas certains cycles, on en a une ribambelle qui fait quand même problème. Ah, mais c'est comme sur un piano, on a plusieurs touches. C'est comme. Je veux dire, on va jouer sur toutes les touches. On va jouer. Oui, enfin moi, c'est ça, c'est des choses qui m'insupportent. Ça m'insupporte. Oui, mais moi, je suis pianiste moi-même. Donc, je suis compositeur, je pourrais même te passer un DVD avant de prendre le train. Ah. Donc, je suis d'ailleurs assez fier de mon travail. Donc, je sais ce que c'est que d'improviser, de composer, etc. Bon, mais ce que je tolère au niveau musical, je ne tolère pas forcément au niveau astrologique. Mais alors, pourquoi ton choix de Saturne ? Non, mais moi, je veux bien discuter de mon choix de Saturne, mais ce que je voudrais qu'on soit d'accord, c'est de toute façon la nécessité de choisir quelque chose. Ah, c'est ce que je disais au début, moi. Chaque astrologue fait sa palette, comme le peintre fait sa palette. Il se donne les couleurs de départ et à partir de là, il compose. Bon. Le tout, c'est d'être cohérent avec sa propre palette. Et alors, parce que ce que je vois confronter différents astrologues, vraiment tous très bons, alors qu'ils n'emploient pas du tout les mêmes. Oui. Mais moi, je trouve que tu as une façon très claire de présenter les choses, comme tu mérites bien ton prénom, mais je n'entends pas les astrologues dire les choses aussi nettement. Ils ne disent pas « j'ai choisi, je privilégie tel cycle ». Ils disent « moi, j'utilise tous les cycles, j'utilise tous les transits ». Ah oui, par exemple. Enfin, je veux dire, on a quand même chacun c'est un nom-dit, sa méthode. Alors, c'est avec je ne sais pas, moi, sur les discussions, là, qu'il y a, les échanges qu'il y a sur le Cédra, il y a quand même certaines pointures, on peut alors, le dire. Quels sont les cycles qui sont particulièrement cotés Il y en a qui privilégient certains cycles ou d'autres. Il y a ceux qui emploient les transsaturniennes et ceux qui ne les emploient pas. Il y a ceux qui utilisent le RET comme moi et d'autres qui comprennent rien. Non, mais le cycle, c'est pas une planète, c'est une planète qui est en référence à un point, un autre point. Et voilà, forcément. Alors, Saturne par rapport à quoi par exemple, pour toi Saturne par rapport à. Tu m'as dit qu'on allait parler des. Mais c'est par rapport aux étoiles fixes. Ah, par rapport aux étoiles fixes. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle des étoiles fixes. Aldébaran. Aldébaran, Antares, Régulus et Pomalo. Les quatre, c'est ça qui découpe mon cycle de Saturne. Ok. Donc, pour moi, une conjonction, quand je dis conjonction Saturne, c'est par rapport à ça. D'accord. Quand je dis carré, etc. Bon, d'abord. Mais ça, c'est de l'astrologie très ancienne. Alors, est-ce que tu as. Les quatre points royales. Oui, c'est l'astrologie persane. Bien sûr, mais c'est les quatre points cardinaux du monde persan. Du monde persan, mais il y a 5000 ans. Enfin, moins 3000. Ben moi, de toute façon, plus c'est ancien, mieux ça vaut pour moi. Oui, mais il y a eu la précision des équinoxes. Elles ne correspondent plus aux mêmes saisons, mais elles sont toujours là dans le ciel. Ah, ben ça va. Mais elles répondent. Elles ne sont plus. La question de la précision des équinoxes n'intervient pas véritablement dans tout ça. Sauf que pour eux, ça avait quand même un marquage saisonnier qui n'a plus lieu d'être pour nous. Mais la configuration. Si Régulus marquait le milieu. Oui. Faux maillot, le milieu de l'été, puisqu'elle est dans le Verseau, donc c'est à l'opposé du Soleil en Lion. C'est fini ça. À leur époque, c'était bon. Il y a 3000 ans, faux maillot apparaissait. En plus, je fais une étude particulière sur faux maillot. Elle est conjointe au Soleil en milieu d'hiver. Alors, c'est pas intéressant. On la voit pas. On la voit à la saison opposée, milieu d'été. Amusant. D'accord. Voilà. Enfin, ça fait décalage que mais justement, en plus, il y a eu. Je pense que c'est aussi en raison de la précession des équinoxes à l'époque. Oui. Elle remonte jamais haut dans le ciel. Et elle était encore moins haut dans le ciel à l'époque. C'est-à-dire qu'à nos latitudes, elle rasait l'horizon. Oui. Eux, ils l'avaient en Perse, ils l'avaient à la hauteur où nous, on l'a à l'heure actuelle dans le ciel quand elle passe quand elle culmine. Quoi. Oui. Et donc. Mais effectivement, il est possible que le choix. Elle marque les quatre points cardinaux. Le choix initial. Le zodiac des étoiles. De toute façon, la véritable raison de ce choix initial n'est pas celle que tu dis. La raison des étoiles, c'est que ces quatre étoiles conforment une sorte de quadrilatère relativement cohérent. Oui, donc, voilà, c'est pas la vraie raison. Les bornes du zodiaque. C'est pas. Bon, alors c'est. Non, mais je veux dire,
même si ça n'avait pas correspondu aux saisons, il aurait quand même pris ce quadrilatère, parce qu'il n'y en a pas 36 000 des quadrilatères comme ça. Remarquable, ben non, il n'y en a pas 36 000. Donc, c'est pas, à mon avis, contrairement à ce que tu dis, ça n'est pas lié aux saisons. Non, je pense que c'est anecdotique, voilà. Les saisons par là-dessus. Donc, ça a été une question après coup. En réalité, pour eux, c'est parce que c'était repères, un truc très commode et qu'on pouvait découper en quatre périodes environ, grosso modo, de 7 ans. Environ, puisque c'est quelque chose qui n'a pas été mathématiquement constitué, puisque c'est fondé sur des repères réels. Donc on fait avec ce qu'on a. Bon, là, il y a une sorte. En plus, d'autant plus quand on pense qu'Antarès et Aldébaran sont quasiment en opposition. Oui, alors, c'est merveilleux. Ouais, non, mais il y en a pas. S'il y a une, il n'y a pas l'autre. Hein. Parce que sinon, voilà, c'est Zeus voilà. Qui a voulu ça. Bon, donc là, j'attache beaucoup d'importance à cela. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en apercevoir, parce que comme je suis né à une époque où... On va passer par la ville, parce que regarde, il nous reste presque une heure. Oui, oui, mais je te laisse faire. Et s'il y a un café ouvert, on va rester dans un café. Oui, oui, c'est mieux. C'est après mieux. Un vivier, c'est trou, hein. Il n'y aura rien. Le principal, c'est que tu me mettes dans le train au moment voulu. Non, comme j'ai déjà composté mon billet, je suis déjà repéré par le contrôleur... Je crois qu'il y a dimanche, on n'a pas trouvé grand chose d'hiver. Non, non, mais il vaut mieux qu'on soit quand même. Il y a bien un café ouvert au moins. Si on donne au bled, c'est pas Paris. Hein. Il vaut mieux qu'on te voit en dehors de la vision nocturne. Enfin, je crois que ça sera pas mal non plus. Pour un astronome à vision nocturne. Ah oui, alors là, vraiment, là, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est la première fois que je fais un enregistrement en vision nocturne comme ça. Hein. Mais, peut-être que j'ai une caméra qui a l'air assez performante comme ça. Ah, ben. Elle est assez puissante pour faire ça. Bon, enfin, fermons la parenthèse. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, donc, je découpe le cycle de Saturne en quatre conjonctions. Ok. Et donc, je découpe chaque période chaque période entre deux étoiles en quatre périodes de 22 degrés 30. Degrés 90. D'accord. Et donc, la conjonction ne correspond pas au début du cycle, elle correspond à la culmination de la phase. Je coupe en deux, donc je prends 22 degrés 30 avant la conjonction et 22 degrés 30 après la conjonction. Ah, c'est autour, d'accord. Donc, si tu prends la conjonction. Donc, Saturne entre dans la phase, si tu veux, Yang, la phase 1. 22 degrés 30 avant sa conjonction, et il en sort 22 degrés 30 après. D'accord. Et il rentre dans la phase 2, 22 degrés 30 avant la conjonction suivante, d'accord. Etc., etc. Et qu'est-ce que je veux dire, laquelle étoile tu prends comme... Alors, de ces quatre étoiles, laquelle tu prends comme origine? Non, aucune importance, il n'y a pas d'origine. Zéro origine. C'est pareil, elles sont exactement équivalentes. Elles n'ont ni de différentes significations. Il n'y a aucune origine. C'est un processus où chaque fois que la planète conjoint à l'étoile, un nouveau cycle commence. D'accord. Purement saturnien. D'accord. Voilà. Parce que bon, il y a aussi des connotations interprétatives associées aux étoiles quand même. Eh bien, moi, je ne les considère pas. Table rase, d'accord. Je ne considère pas. Ce sont simplement des repères commodes qui servent à structurer le temps, parce que. Comme ah oui, ouais, l'après-midi. C'est sûr que Saturne, non, non, le temps. Oui, mais ça c'est vrai. Mais après, je ne m'illogerai pas là-dessus. Mais je considère que l'astrologie est d'abord née d'une volonté de marquer un temps plus long que le temps annuel, plus long, bien entendu, que le temps mensuel, et qui est un temps fondé sur les 7 années. Marqué par Saturne, parce que c'est quand même Uranus d'abord, on ne le voit pas. Puis, ben voilà. Donc on prend Saturne parce que c'est la planète la plus proche des étoiles. C'est la planète la plus proche des étoiles. Effectivement. Puis c'est et c'est celle qui est en dialectique, en dialogue avec les étoiles, si tu veux. Ouais. N'oublions pas. 30 ans dans une vie humaine, ben c'est une vie où... Non, moi, je ne prends pas 30 ans. Un café, là. Donc, effectivement, alors moi, mon choix est ça. Moi, je suis monoplanétariste. Je n'utilise qu'un seul cycle, celui-là. Je le divise clairement. Donc, pour moi, alors l'astrologie, c'est clairement très clair. C'est comme ça. Il y a une phase A, une phase B. Il y a un passage difficile ou complexe de la phase A à la phase B tous les 3 ans et demi. Oui, en fait, ce que tu étudies dans cette planète, c'est l'infrastructure du monde, quoi. Oui, comment fonctionne la société, le modèle global, voilà. Et quand je dis que Saturne actuellement est en balance, c'est pas parce qu'il est en balance. Quoique, c'est vrai que, curieusement, avec mon système des 22 degrés 30, si tu ajoutes 22 degrés 30 aux conditions... des étoiles fixes, tu arrives à peu près au début à la fin d'un signe cardinal. Donc, en fait, en pratique,
quand ça tourne pas à notre époque, quand ça tourne pas actuellement, uniquement ouais. actuellement, à la fin d'un signe mutable, au début d'un signe cardinal, on est dans cette phase intermédiaire entre deux systèmes. Voilà. C'est-à-dire on est à 22 degrés 30 de la conjonction précédente avec une étoile fixe. On prend par exemple, si on prend Régulus, Saturne a été en conjonction avec Régulus l'année dernière, à 0, à 1 degré de la Vierge. Non, il y a un peu plus, il y a 2 ans. Voilà. Mmh. Il y a 2 ans, on était conjoint avec Régulus. Oui, c'est ça, il y a l'année dernière. Et 22 degrés 30 après, on arrive à quelque chose comme 23 degrés de la Vierge. Mmh. Et à 23 degrés de la Vierge, on bascule, mais sur une phase intermédiaire, où on est actuellement, finalement, puisqu'on est à la fin de la Vierge, qui prépare le basculement vers une deuxième période de 7 ans. Dans les signes, Régulus marque, à notre époque, Régulus marque le tout début du signe de la Vierge, le 1 degré Vierge, oui, c'est ça. Le deuxième degré de la Vierge. Voilà. Donc un semi-octile, c'est 22 degrés 30, ça fait 23 degrés 30. Donc à 22 degrés 30, quand Saturne arrive à 22 degrés 30 de la Vierge, il met fin à 3 ans et demi de phase Yang. Et il rentre dans 3 ans et demi de phase Yin. Donc actuellement, le débat qui se présente, c'est cette espèce disons, d'hésitation entre la phase précédente qui était une phase Yang et la phase nouvelle qui est une phase Yin, et où chacun cherche ses marques en quelque sorte. C'est pour ça que ce colloque de Toulouse est marqué par un nombre d'anomalies. Il n'y a pas eu que celle d'aujourd'hui, il y en a eu d'autres. C'est une série d'anomalies qui sont d'ailleurs contagieuses. Parce que d'une certaine manière, on peut dire que s'il s'est passé aujourd'hui quelque chose, c'est parce qu'il s'était passé quelque chose d'autre. Voilà. Donc il y a un processus de boule de neige qui est intéressant. Donc, c'est pas ce que je disais tout à l'heure. C'est dans mon action même d'organisateur que je fais mes propres recherches sur les cycles. Quand je réunis des choses pour voir ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui ne ferait rien au niveau social, il n'apprendrait rien. Il pourrait apprendre en regardant ce qui passe autour de lui. Mais le fait soi-même de mettre en place des situations et de voir comment l'autorité est remise en question, comment une nouvelle forme d'autorité ou une nouvelle forme de dialogue entre le groupe A, des dirigeants, si tu veux, les initiateurs, et le groupe B, de ceux qui suivent, qui a des grains, ça grince. Oui, il faut trouver un autre modus vivendi, si tu veux, qui sera résolu très rapidement, peut-être qui dans 3 ou 6 mois sera résolu. C'est-à-dire qu'après, à ce moment-là, les gens, quelque chose se sera trouvé. Mais on est pour l'instant dans une phase de recherche. Et cette phase de recherche a lieu tous les 3 ans et demi, puisque c'est tous les 3 ans et demi. Le cycle de 7 ans est divisé en 2 phases de 3 ans et demi. Et donc, par conséquent, tous les 3 ans et demi, on passe de Yang à Yin, de Yin à Yang. Donc, c'est extrêmement simple. J'ai élaboré un système qui est d'une très grande simplicité. C'est davantage. Mais c'est vrai que. C'est très simple. Ce n'est pas fondé sur le cadre natal. C'est simplement. La structure sociale, oui, mais si tu étudies le monde, effectivement, tu vas pas prendre un thème natal aussi. Tu dis, j'ai étudié le thème de la République française. Bon, mais ça n'empêche pas, pour autant, qu'on se pose la question de savoir. On parle quand même de gens réels, si tu veux. On parle d'un ensemble de gens, mais on parle aussi d'individus. Oui, mais si, on parle d'un individu. Ça traduit aussi au niveau des individus. Ça se traduit au niveau des individus, sauf que c'est pas la seule. Au niveau de la maturation de leur organisme. Non, ça se traduit au niveau des individus parce que c'est bien. On a parlé tout à l'heure de la fameuse expression Ein Volk, ein Reich, ein Führer. C'est-à-dire qu'il y a des. Comme d'ailleurs, il y a une espèce de lutte pour le pouvoir. Entre les gens du Yang qui sont les plus aguerris, qui sont les plus forts, et qui sont nécessaires, parce que le groupe Yin ne peut pas exister sans le Yang. Parce que c'est le Yang qui donne l'unité, la fameuse unité que le chef donne au peuple. Autrement, les gens s'en retrouvent chacun dans leur truc. Donc il faut quand même. Effectivement, là, le Yang est réduit au minimum, mais il est essentiel, c'est-à-dire qu'il est quantitativement réduit au minimum. Le yin va réduire au minimum le yang, mais il ne peut pas le réduire à zéro. C'est bien qu'il reste un yang pour unifier l'ensemble. La question, donc, c'est bien ça le problème. La question, c'est actuellement, dans mon propre mode de réflexion, de savoir comment se passe ce processus qui consiste à ce que le yin
est à choisir entre plusieurs chefs pour voir celui qui est le même profil. Oui, donc ça renvoie chacun à son propre yang interne. Ça renvoie chacun un peu à lui-même. Parce que. Il y a une formule qui est très connue. Les modèles jusqu'à présent commencent à péricliter, ils s'avèrent invalides. Et donc il faut choisir un nouveau modèle. Donc, pour oui, parce que jusqu'à présent, il y avait besoin de choisir. Va répondre à nos aspirations profondes, effectivement. Voilà, alors c'est un peu effectivement comme le spermatozoïde, si on veut. L'ovule yin devant choisir l'ovule, c'est-à-dire le collectif. Même dans cette. Devant choisir. Dans cette configuration-là, je me demande si c'est pas justement l'ovule qui est yang et tous les spermatozoïdes qui sont yin. Ah ben non. Parce qu'il y a un des spermatozoïdes qui va féconder l'ovule. C'est le seul qui arrive. Oui. Voilà. Donc, mais non. Du point de vue c'est le yang qui va féconder l'ensemble du yin, c'est-à-dire l'ensemble du collectif. Et le collectif qui va exister grâce à ce yang qui va. C'est-à-dire que le collectif yin a besoin de s'unifier, et pour s'unifier. C'est un peu qu'une forme de polygamie, si tu veux. Il va choisir l'étalon qui va accaparer toutes les femelles, en quelque sorte. Et qui va donc donner... Donc, oui, on renverse le point de vue, là. C'est l'ovule qui est yang et toutes les femelles, c'est les spermatozoïdes. Oui, bah d'accord. Bon, enfin, pas important, on s'est compris. On s'est compris, parce qu'en fait, c'est vraiment... Hein, c'est toujours l'histoire de la poule et l'œuf, et du moment où on se met du point de vue de la poule ou du point de vue de l'œuf. C'est la vie, les deux sont inséparables l'un de l'autre. Enfin, en tout cas, ce qui n'est pas, le point de vue de l'un ou le point de vue de l'autre. Oui, d'accord. Mais enfin, en pratique, ce qui me paraît fondamental par-delà ce débat-là, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit soit on est au printemps, soit on est à l'automne. C'est-à-dire, au niveau cyclique. C'est-à-dire, si on est dans une période où on sort de l'hiver pour aller vers l'été, ou soit dans une période actuellement où on part de l'été pour aller vers l'hiver. Donc c'est ça la question. Ah ben on habite dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud? Non, je ne parle pas de l'été au sens littéral. Ouais. Je parle de l'été au sens symbolique. C'est-à-dire effectivement, si on considère qu'on est on parle beaucoup de crise actuellement, c'est pas par hasard. C'est justement surtout à ces moments de passage qu'elle se produit. C'est pour ça que je dis que c'est un système qui nous dit que tous les 3 ans et demi, il y a une crise. Oui. Et cette crise, c'est le passage. Bon, voilà. Donc je détermine, j'ai un calendrier qui me permet, tu peux d'ailleurs l'intégrer si ça te fait plaisir dans ton éphémérie. J'ai un calendrier qui permet de dire que qu'on rentre dans une phase pendant 3 ans et demi, qu'au bout de 3 ans et demi, il y a à nouveau un problème de savoir comment on va passer à la phase suivante. Ah mais bravo, Bravo. Enfin, je crois que c'est pas trop grave. Oh, c'est pas trop grave. Enfin, rien n'est grave, surtout pour moi. Ah, ils ont gagné. Bon. Alors, la question qui se pose, actuellement, la question qui se pose, c'est que jusqu'à présent, le yang n'était pas trop exigeant, si tu veux, parce que le yang était dans une phase d'élaboration. Comment je veux dire ? Or, en phase d'élaboration, on ne cherche pas à prendre le pouvoir, d'une certaine manière. Tu vois ? Donc, c'est les yang parvenus, on parlait tout à l'heure de la chrysalide du papillon, le papillon sortant de la chrysalide yang entre dans un processus de contrôle du yin. C'est-à-dire qu'il entre dans un processus. Donc le yin est en quelque sorte convoité par plusieurs puissances qui sont par les puissances qui sont les plus abouties. Effectivement, et à ce moment-là, évidemment, le yin, c'est quand même comme un cheval qu'on essaye d'aser. Le yin, il est un peu surpris comme ça, le mettre au pas. Donc cette mise au pas du yin par l'élément yang, les éléments yang étant sortis de phase de travail, de phase d'élaboration, et étant maintenant dans un processus de dessin, le yang cherche à dominer et il ne sait pas très bien quel est le pouvoir qu'il va accéder. Quel pouvoir que ça dit, oui, ça fait descendre à l'échelle. C'est une question d'échelle, c'est-à-dire que d'un point de vue social, et ça, je suis d'accord, chaque individu. Il faut l'admettre. Donc ça le renvoie finalement à son propre yang.
sa propre détermination sur des choses sur lesquelles d'habitude il s'interroge. Oui. Et là, tout d'un coup, il est obligé un peu de s'interroger parce qu'il y a justement fragilisé cette fluctuation. Des valeurs mondaines, moi je dirais que c'est pas ça. Les valeurs qui font de la société, là, elles sont en train de voler en éclats, de s'effriter. C'est-à-dire que les gens du Yang actuellement sont plus agressifs et sont plus exigeants parce qu'ils sont arrivés à une sorte de phase d'abolissement, en quelque sorte, de leur propre intériorité. Donc ils sont dans une phase d'accélération, et là, effectivement, ils essayent de dompter le peuple, enfin, dompter le yin, de dompter le collectif. Et le collectif, lui, il se rebelle, il ne veut pas. Oui, les gens du yang, ce que tu appelles les gens du yang, c'est ceux qui ont le pouvoir. Les gens du yang, ce sont ceux qui ont le pouvoir, qui sont nés pour exercer le pouvoir. Ah, toi, tu détermines déjà qu'il y en a qui sont nés pour pouvoir. C'est vrai que ça va jouer dans un... Oui. Donc la question. Il peut s'exercer à tellement de niveaux souvent. Effectivement, c'est vrai. Ah, mais c'est un pouvoir. Non, c'est pas forcément. C'est pas que le pouvoir politique, c'est le pouvoir intellectuel, c'est le pouvoir culturel, c'est le pouvoir économique, c'est tous les pouvoirs possibles, imaginables. C'est pas un personnage. Oui. C'est une forme de fascisme, si tu veux, à l'échelle de tous les niveaux. À tous les niveaux, alors d'accord. À tous les niveaux, c'est la pression solaire, les uns contre les autres, oui, mais en fin de compte, c'est aussi la finalité, c'est quand même d'unifier le collectif. Et oui. On n'est plus dans. C'est paradoxal. L'aboutissement, c'est un collectif de plus en plus uni autour d'un modèle unique. C'est-à-dire que les gens vont dépasser. Tous ceux qui ont développé leur yang individuel se retrouvent à être obligés de renoncer à ce yang individuel pour se soumettre au super yang et au mal dominant et au modèle dominant. Ah ouais, alors donc effectivement, mais c'est pour ça qu'il est important de revenir au seul yang incontournable qui est la Terre. C'est-à-dire ça nous met tous d'accord. Tout le reste, c'est des valeurs culturelles qui font qu'on peut. Qui sont relatives, soit d'un point de vue géographique, soit historique.